on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous annoncer qu'il y a un petit concept qui est en train de se créer donc sur GTA V, vu vos idées de futurs DLC, donc photos et vidéos. Donc je vous enverrai le site dans la description. Donc ça a été pensé par Caïd. Donc je vais vous dire ce qu'il a écrit, puis vous verrez les images défiler. Idée pour un futur DLC qui permettrait de faire une petite personnalisation dans les apparts. Pour voir afficher ces photos cinématiques aux emplacements des tableaux, l'idée est simple, on s'approche d'un tableau, ce qui permet d'appuyer sur la flèche de droite et ainsi d'ouvrir un menu avec le nom de nos photos cinématiques. Une fois une photo choisie, on pourrait zoomer et le déplacer dans le cadre à l'aide des joysticks pour voir soit la photo avec des bandes noires en haut et en bas si on la veut en entier, ou zoomer pour juste avoir la partie de la photo qu'on souhaite, ce qui pourrait donner au final quelque chose comme ça. Donc voilà, là vous avez l'image, l'autre image et encore l'autre image. Donc voilà, je vous mets les quatre images. Toutes les photos cinématiques sont celles de Yaz-E que j'ai utilisé avec sa permission. Édite les menus. Les menus pour sélectionner la photo et la cadrer, ainsi que la possibilité pour les autres joueurs de donner une évaluation positive pourrait se présenter comme ça. Appuyez sur la flèche de droite pour ajouter une image. Donc voilà, donc j'ai l'image aussi. Donc voilà, une image où il y a marqué galerie cinématique, donc par défaut, San Andreas, force un coup d'eau, photo d'identité. Vinewood Boulevard, Goma Street, Burton, Castle, ouais, il y en a encore plusieurs. Voilà, galerie cinématique encore, et pour San Andreas, voici l'image que ça fait, des choses comme ça. Pour l'évaluation positive, c'est le même perso que sur les autres screenshots, ouais. Donc là, il parle un petit peu pour qu'elle a mis le même personne, donc on s'en fiche. Donc ce n'est pas parfait, mais ça donne une bonne idée, je pense. Donc voilà, après, vous avez les commentaires en bas, donc voilà, ils disent pas grand chose. Après, c'est juste les autres photos auxquelles les gens ont pensé. Donc, voilà, donc celle-ci a sauté plus aux yeux, donc c'est pour ça que je voulais la faire en vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus, abonnez-vous. Et moi, je vous dis peace.